Est-ce que tu te sens prête à avoir un enfant? Attends, quoi? Tu en veux un enfant, Mathieu? Ben oui, mais est-ce que toi, tu te sens prêt? Est-ce que toi, t'es prêt, Mathieu? Moi, oui, je suis vraiment prêt. Tu sais, pour assumer l'enfant, il faudra de l'argent. Un travail, de l'argent, des chambres, tu vois? Pour lui payer ses biberons, ses affaires, son lit, une chambre. Donc je pense que je vais chercher un travail. Non, Chloé, s'il te plaît. Ah non, t'inquiète pas, hein. Un travail bien différent du dernier que j'ai eu, hein. Parce que gogo danseuse dans les boîtes de pute, non merci. Mouah. 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 Oula. Ah, excusez-moi, hein, je voulais surtout pas vous déranger, hein. Surtout continuez, hein. Vous dérangez pas pour moi. Eh merde. Hein. Marie, attends, Marie. Eh oh, on se calme la brebis ensorcelée là, hein. Doucement, hein. C'est moi que tu traites de brebis. Putain, mais toi t'es une pute, t'es une salope, t'es une chaudasse. Je sais pas ce qui m'a pris. Si c'était à refaire, je le referais même pas. Je te le jure. J'espère bien. Attends. Oh, José. Laurine? Quoi, attendez, vous connaissez? Ouais, vous aussi apparemment. Qu'est-ce que vous faites l'un tous les deux? Ben, Laurine est... ben, c'est ma meuf. Quoi? Mehdi est mon frère. Mais enfin, Mehdi n'a qu'un seul frère et je croyais que c'était Théo. Oui, enfin... Bon, bah, Mehdi est mon cousin, mais je le considère comme mon frère. Non, mais j'hallucine, quoi. Au moment où je le tiens sous la main... Où il peut signer les papiers et trouver le moyen de se barrer, ce pauvre con. Mais je rêve. Putain, mais. Oh, franchement, parce que j'allais pas faire ça à Noël, hein. J'avais pas gâché l'ambiance de Noël en parlant de divorce, hein. Quand même pas. Mais. J'hallucine, quoi. Je le tenais sous la main et à ce moment-là, il se barre, ce con. Pourquoi, Thomas? Pourquoi tu me mets dans la merde? J'ai rien à voir là-dedans, moi. Je sais, Virgile. Je te demande pardon. Ok. Eh ben, j'espère qu'on va réussir à le coincer parce que ce serait bien. Tellement bien. Ah, bon. Ben, en tout cas, Thomas nous a dit la vérité. J'espère. Ouais. En tout cas, il nous a tout expliqué. Donc, bon. Je vois pas pourquoi il aurait inventé. Vous l'avez localisée? Elle est où? Dites-moi vite! Elle se promène dans les rues de Marbella. Vous êtes sérieux? D'accord. La développe? Il faut que je parte à Marbella, au plus vite. Nicolas! Salut Hélène, ça va? Eh ben écoute, oui, ça va très bien et toi? Ça va super. Bien dormi? Eh ben oui et toi? Ouais, enfin, bon, voilà. Je pense toujours à Marie, quoi. Tu sais,
Elle et moi. Enfin, elle m'aimait vraiment, et moi aussi. Ben oui, mais t'as fait le con. Pourquoi t'as embrassé Stéphanie aussi? T'as été idiot de faire ça, Nicolas, tu sais. Ouais, mais bon, elle m'a tenté et toi, t'as pas pu résister au charme des jolies filles. C'est ça? Je te connais, Nico. Eh oui, c'est vrai que tu me connais très très bien, toi. Ouais. Enfin bon, c'est comme ça. Eh ben oui, c'est comme ça. C'est la vie. Ouais. Non. Excuse-moi, je peux pas faire ça. Ah non, c'est vrai, c'est pas raisonnable. Et puis, je suis une femme amoureuse. Et moi, un homme mort. On est amis, c'est très bien comme ça. Excuse-moi, Hélène, je sais pas ce qui m'a pris. T'inquiète pas. Personne n'en saura rien. C'est notre secret. C'était juste un petit baiser pour se dire bonjour, voilà. On n'a qu'à dire ça. C'était un baiser pour se dire bonjour. Ah là là. Comment tu fais pour être aussi extraordinaire, toi? Arrête, j'essaie simplement de comprendre les gens que j'aime et de les aider quand ça va pas. C'est tout. C'est tout. Mais tu fais bien plus que ça, Hélène. Vraiment. Allez, arrête tes conneries maintenant. Tu veux? Bon, d'accord. Allez, parle-moi, ça te fait du bien. Vas-y, parle. Eh ben, tu sais quoi? Il a l'air épanoui, ton frère. Je trouve qu'il est. Je sais pas, il a l'air bien. Eh ben, ouais, il a l'air heureux. C'est vrai. Mais je sais pas comment il fait pour rester aussi calme après tout ce qui lui est arrivé. Surtout à Noël. Ouais, c'est sûr. Attends, le mec, il. Enfin, je comprends pas. J'avoue, je comprends pas ton frère. Le mec, il est là, il se. Je comprends pas. Il est là, il se fait kidnapper à Noël en plus par un mec qui menace de le tuer. Et lui, il reste calme, il attend. Il parle avec le mec. Genre, il lui tape la discute tranquille. C'est Félix. Tu sais, c'est pas la première fois que ça lui arrive d'avoir des problèmes comme ça. Mais voilà. Ah ouais. C'est pas la première fois. Ben non, c'est pas la première fois. Et ben, c'est comme ça, c'est Félix. Il est comme ça, on ne le changera pas, on peut rien y faire. Ah d'accord. Eh oui, ah d'accord. Comme tu dis, Félix, il a besoin de comprendre, il aime comprendre les criminels. Il, je sais pas, c'est sa passion. Enfin bref. Et ton père, hein? Mon père, parlons-en, tiens. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Ah bah ouais. Là, je vais te dire ce qu'il lui a pris. Non, en vrai, j'en sais rien. Ce qu'il lui a pris, je sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que. Elle va me manquer. Mais c'est normal, c'est ton petit papa chéri. Hey, moi, je t'ai présenté mon père. Hein. Tu devrais songer à me présenter ta famille, tes parents, je sais pas, tes frères, tes sœurs. Je sais pas, moi. Oui, c'est vrai, ça. Mais bon. Tu sais, ils vivent pas ici. Ah oui, c'est vrai. Mais il faut les faire venir. Hein? Je suis sûre que si on trouve des petits boulots, on paye un billet d'avion et ils viennent ici. Je suis sûre qu'ils en seraient ravis. Mais ils adoreraient. Seulement, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Allez, on avance? Ouais. Regarde là-bas. Quoi? Bah, il est chelou le mec. Mais c'est Martin! Quoi? Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle pour savoir si vous cherchez une serveuse. Non? D'accord, bah c'est pas grave, je vous remercie. Au revoir. Eh ben, encore non. Bon bah, on va en faire une autre, hein. Allez, c'est parti. Allô, oui, bonjour madame. Je vous appelle pour savoir si vous cherchiez quelqu'un en tant que serveur ou serveuse. Hein.
Parce que je cherche du travail en fait. Et puis le métier de serveur est un métier qui me plaît pas mal. Donc j'aimerais essayer. Donc si vous prenez, je suis partante. Ah, d'accord. Ah, vous cherchez personne. D'accord. Eh ben, merci. Excusez-moi de vous avoir dérangé alors. Au revoir. Ah, c'est pas vrai. Est-ce que je vais y arriver, quoi? Merde. Ah, papa, en tout cas, j'espère que tu vas vite revenir parce que si tu pars, tu vas nous manquer. Voilà. Enfin bon. Bref. Ah, message. J'adore les messages. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Alors, hein. Quoi? Mais non, c'est pas possible. Mais non. C'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ça? Martin Condriac se trimballe dans les rues de Paris, accompagné d'un flingue. Seule une personne s'appelant Thomas est au courant. Oh putain! Faut que j'aille voir Adrien. Entrez. Salut. Ah, salut. Ça va? Ouais, super. Ah tiens, en fait, hein, si tu veux Nicolas, je te le laisse. Il est libre. J'en veux plus, c'est une grosse merde. Oh, ok, bon. On peut se parler, hein? Pourquoi faire? J'ai rien à te dire. Ouais, mais moi, j'ai des choses à te dire. Tu peux m'écouter, si tu veux. Mais ça ne changera rien. Pour moi, tu restes une salope. Oui, je suis une salope. Je suis la meuf qui t'a piqué ton mec. Je suis une pute, si tu veux. Ok. Mais c'est pas si je veux. C'est que c'est la vérité, grosse pute. Je sais même pas comment je fais pour te regarder en face tellement. Oh, tu me dégoûtes. Je t'ai fait quoi? Pourquoi? Pourquoi? S'il te plaît, je veux juste comprendre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Nicolas est très beau, tu sais. On est d'accord là-dessus. Nicolas est mignon. Oui, Nicolas est très beau, mais c'est pas une raison. Attends qu'il soit célibataire, ou bien si. S'il est pas célibataire, je sais pas. Trouve-toi sans sosie, je sais pas. Le sosie de Nicolas. D'accord. Ouais. Ben, le sosie de Nicolas. Excuse-moi, hein. C'est pas gagné. Mais bon. Bref, je suis pas mieux pour vraiment parler de Nicolas, de détailler comment il est. Je voulais m'excuser. Voilà. Je sais, ça m'arrive pas souvent, je m'excuse pas souvent. Mais je sais reconnaître mes torts. En revanche, là, c'est vrai que j'ai abusé et je te demande pardon. Voilà, Marie. Je m'en excuse. Très bien. Ben, c'est bon, tu t'es excusé. Maintenant, tu peux disposer parce que j'ai pas envie de voir ta sale gueule. Merci. Ok. Ben, j'y vais. En fait, Stéphanie, bravo. T'as tout gagné. Comment ça? T'as détruit un couple. T'as eu ce que tu voulais. T'as embrassé le mec qui te plaisait. Il te manque quoi maintenant? Maintenant? Je pense que Adrien est très mignon. Ah ouais, bah tu veux te taper tous les mecs de la banque, quoi, comme une vraie pute, quoi. Bon, bah vas-y, dégage. J'ai pas envie de voir ta gueule. Ouais, c'est ça. Je me casse. Oh, mais quelle salope, celle-là! Comment on fait pour pas l'étrangler, putain! Le secret du balai. Tu fais quoi, mon amour? Oh, tu passes le balai, c'est une blague. Ben non, pourquoi? Mais tu passes le balai, pourquoi faire? Pourquoi faire? Eh bien, hein, parce que si je ne le fais pas, eh bien, personne ne va le faire. Mais enfin, pose-moi ce balai. Une princesse ne passe pas le balai.
Mais je suis pas une princesse. Tu le sais, non? Eh bien, si. Ah ouais. Tu es ma princesse à moi. D'accord? Oh, mais c'est gentil, ça. Mais je me considère pas comme une princesse, mais comme une reine. Ah, tu préfères les reines? Oui, je trouve ça plus... Comment dire? Modeste. Et puis la reine, ça représente la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Ben oui. Oh mon Dieu. Ne me dis pas que tu ressembles à la reine d'Angleterre. Ben quoi? Apparemment, je suis ta princesse, mais je préfère être ta reine. Alors que je peux très bien ressembler à la reine d'Angleterre. Non? Vu comme ça, pourquoi pas? Mais bon, c'est pas comme ça que je t'aimerais encore plus. Ah bon, alors c'est comment? Eh bien, je ne sais pas. Ah, c'est embêtant. Oui, c'est vrai. Enfin bref, hein, on s'en fout, non? Parce que je t'aime. Oui. Mais dis-moi, au lieu de passer le balai là, t'as pas envie d'autre chose? Ah oui, et quoi? M'embrasser ou te faire l'amour? C'est tentant. Eh oui, alors, moi. Je suis désolée, Hélène. Pourquoi? Il s'est rien passé? Oh, bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Ben, bonjour, mon copain. Comment vas-tu? Mais ça va être toi? T'es pas avec ta chérie? On n'est plus ensemble. Quoi? Pourquoi? Ok, je vais t'expliquer, c'est vrai. T'es pas trop au courant. Alors voilà. Ah ouais, alors voilà quoi. Elle m'a quitté parce que j'ai embrassé Stéphanie. Voilà. Ah d'accord. Ah. José, tu es là. Regarde ce qui t'attend. La prochaine fois que tu te barres alors que j'ai besoin de toi, je te tue. Bonjour Bénédicte, tu vas bien? Ça ira mieux quand tu m'auras signé ces putains de papiers de divorce. Tu veux vraiment divorcer? Mais moi, je veux pas. Je veux pas divorcer, d'accord? Alors laisse-moi me sauver en courant, s'il te plaît. Ah non, tu as resté ici. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Sacré ici. Bonjour, Adrien. Eh bien, il se passe que c'est la guerre entre José et Bénédicte. Hein. Oui, bah ça, on avait remarqué. Alors, tu me signes ça. Oh, putain, donnez-moi ces papiers. Tu verras, je referai faire des papiers de mariage. Mais oui, bien sûr. Ouais. Allez, signe et tais-toi. Voilà, c'est signé. Bah, tu vois, c'était pas si compliqué. Bah, tiens, qui ça peut être? Entrez. Bonjour. Bonjour. Oh, Olivier. Olivier. Oh punaise, on t'avait même pas reconnu, excuse-moi, ça fait tellement longtemps. Et oui, c'est vrai que depuis que je suis arrivée à Paris, il m'est arrivé pas mal de problèmes et que j'ai vu que Nicolas et Marie. C'est vrai que j'ai vu personne vraiment d'autre, hein, donc voilà, bonjour tout le monde. Comment ça va? Eh bien, ça va super, mais viens nous embrasser, ça fait tellement longtemps. Et oui, ça fait des années. Mais je suis là. Me voilà de retour. Et j'ai pris une grande décision. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Je viens m'installer à Paris. Oh, mais c'est formidable, ça! Eh oui, je me suis dit que, bon, la campagne, c'est très bien, hein, le sud aussi. Mais Paris, bah, j'ai tous mes amis. Donc, c'est encore mieux. Et Nicolas était formidable avec moi. Il m'a sauvé la vie. Oui, enfin, c'est plutôt Marie qui t'a sauvé la vie. Moi, je n'ai fait que... t'emmener à l'hôpital. Mais bon, sinon il t'aurait tué. Oui, effectivement. Olivier, on ne se connaît pas, je crois. Peter Watson. Ravi de vous rencontrer, mais c'est pas déjà vu quelque part. Non, je crois pas. Ah bon, bah, c'est moi qui délire, alors excusez-moi. Théo, qu'est-ce qu'il y a à dire? Théo, tu peux pas continuer à te mentir à toi-même. Comment ça? Théo, tu oublies que je suis ton assistante. Et alors? De quoi tu parles? J'ai vu dans tes papiers. Tu veux rien dire à personne. Tu veux garder ça pour toi.
Ça te fait mal de l'intérieur, ça te ronge. Donc tu peux me parler? De toute façon, t'as tout noté dans tes papiers. C'est quoi cette histoire encore? C'est quoi cette histoire? T'as perdu la guerre? Ta vie n'a plus aucun sens? Tu m'expliques? Ah, ça? C'est pas moi. Ah bon? Eh? T'as regardé l'écriture? Eh ben écoute, c'est tes papiers, donc j'estime que c'est ton écriture. Ah, oh, tu connais pas mon écriture. C'est pas moi, c'est un de mes clients. Enfin, client. C'est un de mes employés qui avait écrit ça. Parce qu'il veut faire poète. Et du coup, on s'était marré. Quoi? Alors tout va bien? Mais oui, tout va bien. Il avait écrit un poème romantique entre la mort, l'amour, enfin c'était un peu tous les sentiments quoi. Et du coup, eh bien on s'était bien marré avec ça et je l'ai gardé en souvenir pour rire. Ah mais j'ai eu peur, t'es con ou quoi? Enfin, oui, bref. Est-ce que mon assistante veut bien me faire un bisou? J'en ai bien besoin, si tu veux. Non. Moi? Mais pas comme ça, idiote! T'es sûr que c'est lui? Ben oui, je le connais. Je reconnais, regarde ses cheveux. Je le reconnais à ses cheveux jaunes. Ah oui, c'est vrai que les cheveux jaunes, c'est facilement reconnaissable. Putain, il m'a vu. Il arrive. Merde, merde, merde. Putain, qu'est-ce que je dois faire? Ben, quoi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu veux faire quoi? Espérons juste qu'il n'est pas armé. Oh merde. Ouais, espérons qu'il n'est pas armé. Parce qu'il arrive. Hein. Tiens donc. Hein. Bonjour, Virgile. Il me semblait bien que c'était toi de loin. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ça me fait très plaisir de te revoir, tu sais. Martin. Tu sais que toute la police te recherche. Je sais, ouais. Je suis au courant, t'inquiète pas. Mais bon, tu vas m'expliquer en détail ce que tu as dit aux flics. Alors non, puisque tu vas me suivre. Ça te dit de faire un petit tour au commissariat, Martin? Tu rêves. Je pense que t'as pas très bien compris, en fait. C'est moi qui tiens les rênes. Toi, tu fermes ta gueule. Et tu m'expliques ce que t'as dit aux flics avant que je te tire une balle dans le trou. C'est clair? Voilà. C'est ça. Il faut à tout prix que je découvre la vérité sur la disparition de Jeanne. Ça suffit maintenant. Ça fait trop longtemps que ça dure le suspense. J'ai enfin retrouvé ce bar et cet ordinateur. Alors on va fouiller. Il peut y avoir des trucs intéressants dans cet ordi. Très intéressant même. Alors. Qu'est-ce que j'en vais trouver? Qu'est-ce que je vais trouver, hein? Tadam! Code, un mot de passe. Ah, je sais. Parfait. Comme quoi ça marche, l'informatique. Quand on connaît pas de mot de passe, faut demander à Rudy. Alors, c'est pas possible. Max, t'es sûr que tu veux partir? Ça peut être hyper dangereux là-bas. C'est Marbella quand même. Enfin, dans les rues de Marbella, c'est très dangereux, Max. Je te le promets. Max, s'il te plaît, fais pas de conneries. Tu sais à quel point je t'aime et que je tiens à toi. C'est vrai, tu m'aimes? Mais oui, tu le sais, arrête de faire le con. Ben non, je sais pas, tu vois. Parce que
Bon, ok, c'est vrai, je te le montre peut-être pas assez, je te le dis peut-être pas assez, mais je t'aime. Et ça, tu le sais très bien. D'accord? T'es sûr que tu veux partir? Certain. Je peux pas laisser une carte mémoire aider. Je peux pas. Tu comprends? Je peux pas laisser une carte mémoire en liberté, un mec en liberté diffuser des informations sur moi, sur ma vie privée. Et surtout, en fait, je ne peux pas. Tu comprends? Oui, bon, ok. Et tu partirais quand? Demain matin. Il y a un vol qui part demain. Dès que je partirai, bah quoi? Tu partirais quand vraiment? Dès que j'ai réservé mon vol. Il y a un vol qui part demain matin, je vais le prendre. Je vais appeler l'aéroport pour le réserver. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, tout de suite là. Pourquoi il part? Il peut pas partir, c'est pas possible, c'est pas raisonnable. À tous les coups, ça va mal se passer et je le reverrai plus. Et je l'aime. Alors, même si je lui dis pas, il le sait. Allô? Oui, bonjour. J'aurais aimé connaître les horaires pour Marbella, pour un vol pour Marbella. Le plus tôt possible. Demain matin, 10 h, c'est parfait pour moi. Vous pouvez me réserver une place, s'il vous plaît? Max. Max Lombier. Ah, qu'est-ce que c'est agréable de se promener là avec toi. Ça change. Hein? D'habitude, on passe notre temps à faire l'amour. C'est vrai. C'est vrai. Et ça change d'avec José, non? Quoi avec José? Qu'est-ce qu'il a, José? Fais pas l'idiot. Tu sais très bien. Hein? Fais pas l'idiote. S'il te plaît. Prends-moi pas pour un con. Je sais très bien que tu couchais avec lui aussi. C'est pas grave, je suis pas jaloux. José, c'est mon ami. En plus, c'est célibataire. Ouais, mais j'ai des remords par rapport à Bénédicte. Ils sont peut-être plus ensemble, mais ils sont pas encore divorcés. Et j'ai rencontré Bénédicte à Noël. Et c'est une femme extraordinaire. Ouais, elle a beaucoup pardonné de choses à José. Mais là, je pense qu'elle est arrivée à saturation, la pauvre. Il l'a beaucoup trompée. Tu sais que, il y a 1 an et demi, ils sont partis en vacances aux États-Unis. Oui. Et qui s'est tapé la moitié des États-Unis. Mais non. Si. C'est pour ça, cause du divorce. Voilà. Oh, merde! Ouais. Merde, hein, comme tu dis, ouais. Oh, merde! Hein. Ouais. Mais bon, moi, je suis complètement célibataire. Je me suis jamais mariée. Alors, mais t'es fou! Quoi, c'est un parc de pique-nique? On peut se rouler dans l'herbe, non? Bon, c'est bon, Bénédicte, j'ai signé tes papiers, hein. Mais tu m'excuses, j'ai des choses à faire, donc je vais y aller. Voilà. D'accord? À plus tard. Bisous tout le monde, salut José. Oh, il m'énerve. Ah, enfin débarrassé. Fait chier avec ces papiers de divorce, celle-là. Oh putain, j'ai bien fait de divorcer, moi je peux plus me le voir celui-là. Et ouais, en tout cas, ça m'a fait plaisir de revoir Olivier. Charmant jeune homme, oui, effectivement. Ouais, charmant jeune homme. Je sais pas de qui vous parlez. Pardon, bonjour tout le monde. Oh Christian, comment vas-tu? Ben ça va, et vous? Merci, ça va. Ben non, ça va, ça va. Ah oui, c'est vrai que tu es là toi maintenant. Excuse-moi, hein, faut que je m'habitue. Oui, t'inquiète pas, on s'habitue vite. Hein.
Tling. Ah. Entrez. Adrien. Bah, Félix, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolée de vous déranger. Adrien, faut que je te parle. Ben ouais, vas-y, dis-moi, je t'écoute. Regarde. Martin Condria se promène dans les rues de Paris accompagné d'un flingue. Seul un prénommé Thomas est au courant. Je pense que ton frère est au courant. Ok, je l'appelle. Pardon, excusez-moi. Bonjour tout le monde. Je suis désolée, mais c'est assez urgent là. On comprend, t'inquiète pas, on connaît l'histoire, Félix. Ah, Félix. Oh, bonjour Christian, ça va? Ça fait longtemps, ça me fait plaisir de te voir. Mais moi aussi. Alors, comment va ta nouvelle chérie? Eh bien, je sais pas. Je suis célibataire. Quoi? Ah, zut, j'ai gaffé. Excuse-moi. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Ok, il répond pas, mais je sais où qu'on peut le trouver, Félix. Viens avec moi. Ok, bon bah à plus tout le monde, hein. Désolé de passer comme ça, hein. Mais à plus. Allez, viens, Félix. Ok, on y va. Ah ben alors ça alors. J'avoue que je comprends plus rien, moi. Eh ben moi non plus, tiens. Alors, c'est beaucoup mieux que de faire le ménage, non? Ou que de passer le balai. C'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est beaucoup mieux que de passer le balai. Mais si je le fais pas, personne va le faire. Et moi, j'aime quand c'est propre. Tu comprends, mon amour? Je comprends, t'inquiète pas, je comprends. Mais bon, on recommence. Oh, doucement, enfin. On vient de le faire 3 fois. Oui, eh bien, 4 fois, et 2 fois ce soir, ça fait 6 fois par jour. Oh mon Dieu, tu veux me tuer avant le mariage? Tu sais quoi? Profites-en, parce que c'est la dernière fois. Comment ça, la dernière fois? Ah oui, tu sais ce qui serait romantique? Non, dis-moi. C'est qu'on fasse plus rien avant le mariage. Pardon? Tu blagues? Non. Si, tu bluffes. Non. Ah, putain. Mais tu vas trouver, hein? T'inquiète pas. Non. Tu vois, là, vraiment, je commence vraiment à perdre espoir, là, tu vois. Oh, mais t'inquiète pas. Oh, bon, vas-y, j'arrête pour aujourd'hui, là. J'en ai fait 8, 10, là. Ça m'a saoulé. Je comprends. T'inquiète pas. Si toi, tu trouves pas, moi je sais. Ah oui, et tu sais quoi exactement? Eh bien, je sais que je peux trouver du travail pour moi. Et toi, je te vois bien mère au foyer à t'occuper du bébé. Quoi? Mais je t'embête, bien sûr que non, mon amour. Ah là là, non mais franchement, je crois vraiment que je te laisserai toute seule, enfin. Avec le gosse, ben non. Si t'as besoin de travailler pour être heureuse, tu travailles. Bon, encore pour ça, faudrait-il trouver. Oui, c'est mieux quand même, tu crois pas? Je suis d'accord. En attendant, si on partait en vacances, encore? On est déjà parti un week-end pour 2, 3 jours au ski. Et alors, on part pour Noël, on part pour commencer la nouvelle année. Très bien, non? Tu veux aller où cette fois? Paumé dans la mer des Caraïbes sur un bateau? Eh bien, pourquoi pas? Ah, vraiment? Bien oui? Vraiment? Non, tu veux pas? Eh bien, si. Eh oui, vraiment? Eh ouais, vraiment. Bon, eh bien, écoute, on partira. Dès que j'aurai trouvé du boulot. Non. Si on part en vacances, on trouvera du travail. À ton retour, mon amour. Un prénommé Tony Angeli aurait fait exploser un bar à Love Island. Mais Tony Angeli, mais c'est son. Et c'était son assistant!
Mais pourquoi? C'est son bar qui a explosé. Je comprends plus rien. Ah, je sais. Je vais télécharger une copie sur ma clé USB. Tiring, tiring. Je vais même la mettre en 2-3 fois. Tiring, toc. Allez hop, supprime tout. Tiring. Parfait. Choqué. Alors, bon, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. La police va bien s'amuser avec ça. C'était bien? C'était très bien. Il y a 20 ans, tu te faisais déjà super bien l'amour, mais tu t'es amélioré. Oh, c'est gentil ça. Ah là là. Bon, on a du boulot. Il y a des choses à faire. D'accord? Oui, mais pourquoi tu me dis ça, moi? C'est toi, mon assistante. Donc, tu fais ce que je te demande. Et pas le contraire. Et imagine que je prends le pouvoir sur toi. Tu prendras aucun pouvoir, ma belle. C'est moi qui tire les ficelles. Eh ouais! T'es perdue là, ma vieille! Alors, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre. Si c'est comme ça, va. Bah, tu te démerdes, hein? T'aimes bien me narguer, hein? J'adore. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Bon, écoute, faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, voilà. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelque temps. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi, il s'est passé ce qui s'est passé? En tout cas, c'est vraiment sympa de m'aider à récupérer mes affaires. Merci, Olivier. Mais je comprends pas, Nicolas. Oui, dis-moi. L'appart, c'est chez vous. Enfin, c'est chez toi. Alors pourquoi c'est toi qui dégage et c'est elle qui reste? Puisque sachant que c'est ton appart à toi. Parce que elle a nulle part où aller. Et je pense pas qu'elle voudra aller chez Hélène. Tu comprends? Ah ouais, je comprends. Bon bah moi je vais me trouver un hôtel parce que rester vivre ici avec Marie. Ben non, en fait, ça ferait trop chelou, wesh. C'est vrai que ça ferait bizarre, mais tu peux rester, hein, je pense que ça dérangera pas. Je sais qu'elle t'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais... Seulement... Ouais, seulement quoi? Elle et moi, c'est fini. Ouais, elle et toi, c'est fini. Moi aussi, j'aime beaucoup Marie. Mais je pense pas qu'elle voudra, tu vois. Ouais, je comprends. Ah... Alors, dis-moi, ça fait quoi de revoir les autres, la bande, Hélène et tout? Ça m'a fait plaisir. Mais ce Peter-là, tu le connais vraiment si bien que ça? Ben, écoute, c'est le chéri d'Hélène, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, oui. D'accord. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est marrant, hein? C'est très, très bizarre. Et il est pas célèbre. Mais si, il est célèbre. C'est un milliardaire. Ah, c'est bizarre. Et j'ai vraiment l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Je suis sûre que je le connais. Mais il faut que ça me revienne. Je l'aimais vraiment. Mais bon, je pardonne pas la trahison. Jamais. Jamais de ma vie.
D'accord. Et t'as couché avec cette fille? Oui, mais attends, écoute. Est-ce que tu veux bien m'écouter jusqu'au bout? Mais oui, vas-y, dis-moi. Avant que je pète un câble. C'était un soir où j'étais complètement bourrée. T'étais pas là, je crois. Enfin, t'étais pas encore arrivée sur Paris. T'étais pas encore arrivée, t'étais toujours à New York. Et c'est un temps où j'étais pas très très bien. D'accord? Mais ça n'excuse pas de coucher avec des meufs, enfin! Tu me fais penser à José, là. Écoute, on a couché ensemble une fois. Une fois. Seulement, cette meuf, c'est vraiment la pire des putes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Comment ça? Ça va, c'est pas à moi de faire l'amour avec quelqu'un. Même si t'es en couple, tu devrais pas le faire, mais ça va. Parce que cette meuf-là, j'ai vraiment besoin de la retrouver. Mais pourquoi? Parce que j'ai appris quelque chose sur elle. J'hésitais à t'en parler, mais j'aurais vraiment besoin de toi. C'est qui cette fille? J'ai peur que ce soit quelqu'un de proche de ma famille. Quoi? Alors, tes parents, c'est le même que Mehdi. T'as qu'un frère, et c'est Mehdi. Ouais. Mais je crois que c'est ma cousine. Oh bah merde. Oh putain. Ah ouais, faut que tu la retrouves, effectivement. Mais je vais t'aider. C'est vrai? Ben oui. Bon. Normalement, il doit être là. Hein? Oui, il est là-bas, regarde. Thomas? Thomas? Ben, Adrien? Félix? Mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai essayé de t'appeler, mais tu répondais pas. Je t'ai envoyé un message, mais t'as pas dû le voir. Salut, Thomas. On peut te parler? Ouais. Ok, regarde, est-ce que tu peux me lire ça, ce qui est écrit sur ma tablette, s'il te plaît? Martin Condriac se promène dans les rues de Paris avec un flingue. Évidemment. En quoi ça me concerne? Mais la suite. Seul un dénommé Thomas est au courant. T'es son complice, c'est ça? Mais pas du tout, enfin! Thomas, dis la vérité. S'il te plaît, t'as déjà menti au flic, c'est une faute très grave de mentir au flic. Je croyais que tu voyais plus, mec. Ok, je vais vous dire la vérité, hein. Je vais tout vous expliquer. Mais vous me promettez de pas me balancer? Seulement si tu nous expliques. Ok, bah je vais vous le dire. Si Martin est à Paris, c'est parce que il cherche quelque chose. Mais il cherche quoi? De la drogue? La drogue que Virgile, enfin, que Virgile et moi on lui a volée il y a quelques mois. Et il veut à tout prix la retrouver. Il est venu me voir il y a quelques jours et j'ai accepté de l'aider. Mais c'est seulement pour qu'après il nous foute la paix. Putain, mais pourquoi t'as pas prévenu la police? Parce qu'il m'a dit que si je prévenais les filles, qu'il me tuerait. Je crois vraiment que j'ai envie de mourir, moi. Oui, c'est vrai. Mais quand même, putain. T'aurais dû prévenir la police, d'accord? Oui, bah je sais, mais voilà. Seulement. Bah voilà. Seulement, voilà. Ouais. Seulement, tu t'es dit que ce serait plus simple de démerder par toi-même. Putain, tu fais chier, Thomas, hein. T'es mon frère, mais tu fais vraiment chier, hein. C'est ça qui m'a foutu à faire pareil. Je m'excuse. Ouais, ça va. C'est pas, c'est bon. Maintenant, il faut juste prévenir la police. Non, s'il vous plaît, je veux pas aller en prison. On ne reparlera pas de toi. D'accord? Je te promets.
Je vais modifier un petit peu. Si moi je suis fort pour ça, je vais modifier un peu l'article. Ok? Ton nom n'apparaîtra pas dedans. Merci Félix. Merci beaucoup. Moi je l'aurais vraiment pas fait, alors tu te rends compte? Ouais, merci. Ah, ça m'énerve. J'ai toujours pas trouvé de boulot. C'est pas grave. Je t'ai dit qu'on partait en vacances. Donc tu trouveras du travail plus tard, d'accord? Ouais, t'as raison. En attendant, j'ai envie de faire quelque chose. Ah ouais, c'est quoi? T'embrasser. Maintenant? Bah ouais. Maintenant, ouais, parce que je pense que dans 177 ans, je serai mort. Ah ouais, tu seras même très très mort. Tu seras très, même bien mort là. Là, c'est sûr que tu seras vraiment mort de chez mort. On est vraiment cons les deux là. Sérieux, vraiment trop cons. Ah oui, vraiment trop cons. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est quoi? Non, c'est que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu sais, notre désir de bébé. J'ai vraiment réfléchi et c'est oui. On essaiera. T'as raison. On a toutes les vacances pour ça. Alors, tu veux partir au ski, à la mer? Je sais pas. Fais-moi rêver. Je te fais confiance. Avec plaisir. Ah non, mais t'es malade de me rouler dans, par terre comme ça, dans l'air. Regarde-moi ça, je suis tout sale maintenant. Oh, mais c'est pas grave. C'est la beauté de tes cheveux qui compte. De ton visage. C'est mignon. Oh, bah tiens. Bonjour. Salut Mehdi. Salut Lorine. José. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ben, c'est moi qui lui ai demandé de venir. Ah oui, c'est vrai. On se la partage, c'est ça? Ouais, c'est ça, on se la partage, oui. Bien sûr. Ça va, Mehdi? Ça va, écoute, mon fils a plein de problèmes, mais ça va. Qu'est-ce qu'il a, ton fils? Eh bien, il part en Espagne bientôt. Il va faire quoi en Espagne? Il part en vacances? Il va retrouver une carte mémoire qu'on lui a volée. Une carte mémoire qu'on lui a volée. Ouais, d'accord. Mais, tu m'expliques? Eh ben, oui, on lui a volé une carte mémoire avec des dossiers à lui et il faut qu'il la récupère. D'accord, et comment elle a fait pour aller jusqu'en Espagne? Ça, par contre, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que il est déterminé à retrouver cette carte mémoire et à se venger de celui qui lui a piqué. Ah, ça c'est bien la vengeance. Eh bien, moi, j'ai signé mes papiers de divorce. Je suis un pauvre homme seul et délaissé parce que je viens d'officialiser mon divorce. Oh, ça y est, t'as signé. Béné doit être contente. Ouais. Mais moi, je voulais pas divorcer. Ah oui, mais t'as un avantage. C'est quoi? C'est moi. Bon, ben, je vous laisse. Hein. Moi, je l'ai eu aujourd'hui. Hein, donc, on s'appelle. Salut. Ça le dérange pas, lui. Ben, toi non plus, non? C'est vrai. Ça me dérange pas non plus. Ben voilà. Alors, tu vois. Martin, tu peux pas faire ça. Ah ouais? Je vais me gêner, tiens. Je commence par qui? Ta copine est très charmante. Hein, je la garderai bien un petit peu pour moi. Tu la touches, t'es mort. Tu crois impressionner qui, toi? Hein? Alors ça suffit. Maintenant, tu fermes ta gueule et tu m'écoutes, c'est clair? Pareil pour toi, la pute. C'est moi qui te traite de pute? Ah ouais. T'es très jolie, c'est dommage. Eh ben, me traite pas de pute si tu me trouves très jolie. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on raille, hein. Je te donnerai des cours si tu veux. Ouais, c'est ça, ta gueule. Alors maintenant, vous allez me dire exactement tout ce que je vous avais dit à la police. Est-ce que c'est clair? Allez, je vous écoute.
On n'a rien dit à la police. Ok. Dans ce cas, ta chérie va crever. Allez, dites-le avant que je tire. Allez. J'écoute. Alors ça y est, tu pars. Eh oui, ça y est. Fais attention à toi. T'inquiète pas, hein. Je serai prudent. Ouais, mais quand même. T'es sûr de toi? Certain. Pour Michel, j'ai pas le choix. Fais attention quand même. T'inquiète pas. Tu m'appelles, hein. Oui, je te le promets. Mais avant, je vais le retrouver. Et je vais me venger de celui qui m'a piqué cette carte mémoire. Simon. Qu'est-ce qui se passe, Léna? C'est mon ex. Il me menace. Il veut s'en prendre à Mathis. Allons, non. Attends. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas nous tuer, enfin. Ah ouais, je vais me gêner, tiens. Pourquoi je le ferais pas? Hein? Dites-moi ce que vous avez dit au flic. Dépêche-toi. Dépêchez-vous. Il reste beaucoup de temps. Je vais mettre encore 2 minutes. Plus qu'une minute 59. 58. 57. Ok. Imagine que je passe par hasard. Que mes yeux croisent ton. C'est bête, tu vois, mais moi j'y crois. Ce serait bien. Ce serait bien. Et pourquoi on ne le ferait pas ?